Qui ça qui t'est passé dans prison civile Croix-des-Bouquets jeudi qui s'est passé à Ambietégon évasion effectivement mais la police pas bail trop communiqué alors pas communiqué trop sur évasion ça côté nous connaît 25 moun mouri selon chiffre qui bail parmi yo directeur prison Paul Hector Joseph oui c'est bilan évasion ça qui fait dans prison civile Croix-des-Bouquets jeudi qui s'est passé à jeudi 25 février 2021, d'après Franz Exantus, qui est secrétaire d'État communication, les confirmés Fausto Diorivé jusqu'à présent récupéré seulement 60 évadés, alors que gain plus passé 200 à 400 les autres caflonnés libé dans la Nati après incident, avant incident, ça a été gagné 1542 prisonniers dans prison civile Croix-des-Bouquets, après appel yo joine 1125 prisonniers. Alors, il y a deux zones qui ont gagné la paix à cause de chef gang qui t'a terrorisé population t'es dans prison mais depuis évasion et spectaculaire jeudi a et mes zones ça yo recommencé chaud c'est qu'à village noy dans Croix des Bouquets en pile tiré chaque soir depuis samedi jusqu'à hier dimanche là dans village ça village artistique ça et ses œuvres gang yo connaît sous nom 17 et oa yon Mamblio Gilbert Joseph sauvé dans prison civile Croix-des-Bouquets pour rejoindre troupe Lio qui toujours a opéré ou qui était toujours a opéré selon information moun nan zone nan ban nou nan volo moto ak braquage sou moun kap sout la banque situation ça qui vin théoriser yon fois encore moun qui a vive dans zone nan qui était déjà abdomi yon j'ai l'ouvri yon j'ai fermé côté là depuis quelques jours là moun yo commencé à quitter zone nan en attendant moun yo souhaité yon présence la police côté yo apprend nous gagnent 400 artistes ak artisans qui vivent dans village là à côté 70 ateliers qui gagnent dans village ça à côté base qui a opéré depuis quelque temps dans zone ça ouais dans village là il y a espace côté pour yo chercher l'agent oui base ça qui a opéré depuis quelque temps dans zone là gagnent comme principal chef lui on certain Sévère Joseph lui-même qui toujours dans prison contrairement à information que t'es fait qu'on monsieur sauvé. Donc voilà pour situation dans village Wai dans Nuay non et Croix-des-Bouquets côté Mounio jusqu'à hier soir c'est un peu relé et situation ça y a vivli depuis prison civile Croix-des-Bouquets a été écrasé au dit gayon c'était Gilbert Joseph mais c'est deux frères yoyé Silver Joseph lui-même qui c'est chef gang 17 et Wal toujours dans prison mais Gilbert Joseph li parmi moun qui sauvé et depuis le retourné dans zone ça c'est problème moun nan village là ap konnen nous konnen déjà aller pour attaquer on substitue commissaire gouvernement pour substituer ça li en bas sanction et c'est pas lui même qui sanctionné gentil souvenir oh non donc aller pour attaquer on substitue commissaire du gouvernement si on attaque bien visé donc il y a un pile moun qui a un pile inquiétude autour des questions ça guerrier pour t'a laisser comprendre que monsieur yo pral faire revanche total capital donc nous pas ta souhaité ça mais donc faut que nous ta chercher qu'on est-ce que son action isolée non mais c'est ça est-ce que son action planifiée c'est monsieur t'a arrêté yo ah il t'a arrêté yo ah oui ah oui c'est bon ouais ou tellement à l'aise oui. Yo nan la oui ou tellement à l'aise elle pas été loin et tout il pas arrêté loin oui c'est dans même journal l'été c'est lui qui t'a arrêté yo donc heureusement il pas gain tant touché il pas il recevoir balle dans zone cuisse selon information yo dit ah oui oui Yeah. Anel Joseph, pas de bien toute chance ça pour arriver dans la base. Il était fait escale dans une base que qu'on a collaboré, il était à premier dans le village de Dieu. Avant, il prend route la Tibonite pour lui et c'est là, il est tombé sur route nationale numéro 2 à Porte. Pas trop loin, marché Lestéa, ancien chef bandit village de Dieu, Anel Joseph, qui mourit vendredi, qui s'est passé d'après inspecteur Gary Desosiers, porte-parole police nationale. Là, la police dans la Tibonite touye Anel Joseph alors que l'étape tenté à le prendre refuge li dans le département plusieurs l'autre monde prend balle dans cas d'intervention ça Anel Joseph Seyon parmi bandits
qui franchit barrière prison Croix des Bouquets jeudi qui saute passé à 24 ans après les évader dans prison ça et prison qui puis sécurisé dans pays chef gang village de Dieu Anel Joseph est tombé n'a frappé dans échange coup d'âme avec la police vendredi dans commune Lester Anel Joseph était sous une motocyclette avec deux autres monde qui était gantant chappé Poulio juge de paix Lester Verto Vertilus qui fait constat légal fait qu'on est les pas joindre aucune pièce sous victime nan, qui prouvé identité mais fondi la police après joindre yon nan moun qui était accompagné Anel Joseph sorti Port-au-Prince rivé jusqu'à Kafou Pay jusqu'à village pas village non et Lester, oui, oui. Lester. Mm-hmm. Donc, il a arrêté monsieur, monsieur. C'est un policier qui a affecté dans sécurité, il y a un sénateur. Oui, mais il y a un policier, tout selon l'information non disposée, qui t'a doué sous sanction, et qui t'a doué même en prison. Et parce que l'État impliqué dans la mort yon moun que sous cela pas révélé non donc l'été inspection générale t'est transféré dossier li parquet Port-au-Prince d'après ça nous apprendre autant d'intégrité attaché dans sécurité au sénateur bon, ça c'est peut-être nous pas vérifier aspect ça hein mais seulement sous cela dit policier ça l'État doué dans prison hein puisque inspection générale t'est gagné dossier sous li et t'est transféré dans parquet Port-au-Prince ça pas gagné longtemps comme journaliste c'est si on monde par exemple t'a relé nous pour mander nous un petit détail autour des histoires ça dans qui embarras à pied on parler de évasion histoire quoi des bouquets ça moi en pile radio que me connait bay info qui relé me dit moi cette fois-ci me bagan et me ba qui ça me bral dit pour l'expliquer on bay comme ça comment nous capable expliquer nèg yo entré dans Amérique prend zam avec dit que Anel dormi Port-au-Prince dans demain li habillé la prend direction la Tibonite et puis gon bonne flou autour des questions côté dossier moto a sorti puisque yo montré grande Vitara policier qui t'a biscoté Anel là dans la cour commissariat m'pa konn sou ta pwèl gris s'il était dans grande Vitara en bas zanmi policier sak t'a menen la Tibonite là côté dossier moto a vinn paraître bon en fait flou oui là gagne on stoin de tenir qui t'a parlé qui parlait de l'arrivée dans zone la Tibonite là sur rivière Kafou Pay donc on barricade qui ont été metté donc monsieur était forcé passer sur ce barricade là c'est après monsieur t'a saisi moto dans main et même Anel là descend grande Vitara et puis il saisit moto dans main au monde et puis là il prend route là. Et comment vous faites prendre Jeep Grand Vitara lui-même? Ça dépend. Il doit rester dans main yon nan moun yo, puisqu'il va pas de côté. Il est pas seul. Ouais, il est pas seul. Ça veut dire pour un policier mettez la disposition Anel Joseph pour faire couverture pour lui pour le mettre et c'est ça que fait de souhaiter la parole là ensemble avec nous matin mais nous pas et qui ça qui explique que Anel pas rentré dans base li 5 secondes bicentenaire. Bon, ça, nous pas qu'on est. Bon, bonne flou, comment? Donc, l'IPAT, tout autre, pendant que tu es en prison, tu fais vidéo, l'IPAT aussi a un contrôle base là, j'en t'a voulu faire quoi là? J'en t'a passé instruction avec monsieur? Tout ça possible, hein? Tout ça possible. Qu'a-t-on pays, finalement? Ça que t'as dit, journaliste, t'as pris nos cafous. Même explique-o, pas qu'à expliquer un bagage qui passait dans le pays. C'est non, mais bon. Pas qu'on qui, j'en pour t'expliquer, ça. Même lorsqu'on va le chercher qu'on est, il y a des gens qui n'ont pas de information. Ouais. Mais en pile, le monde mourit. Autorité, ou pas. En pile, le monde mourit. Quoi des bouquins, hein? En pile, le monde mourit. Oui. Donc, en tout cas, mais mérité une enquête plus approfondie autour des questions, ça. Est-ce que vous avez des âmes dans ces lieux? Pour mener opération sortie et pour arriver touiller responsable prison et puis pour ouvrir armerie donc mes amis quelle histoire
Eh bien, n'a avancé et guerrier. Oui. N'a qui poigné là. Oui, nous avons rejoindre Pierre Espérance et Lydie Alexandre, hein, sous même dossier ça, avec réaction responsable organisation. Oui, le directeur exécutif réseau national Cap Défendre Droit Monde, Pierre Espérance, dit l'amour Anel Joseph Larisqué, entravé, enquête Cap Menin pour arriver identifier certains élus qui t'a habitué Marie Saucissio à chef gang village de Dieu pour diriger l'organisation Droit Monde. C'est un plan qui commençait depuis évasion, prison Croix des Bouquets qui arrivait abouti vendredi 26 février avec l'ancien ancien bandit, toutefois défenseur droit mounan, l'icouet juge instruction qui était commencé tendait Anel Joseph le qui a toujours utilisé information li était commencé joindre mais chef bandit pendant la continue tendait Silayo Anel Joseph était gatan cité non yo on suivi un compte rendu à Lydie Alexandre. L'évasion à la prison civile de la Croix des Bouquets n'est qu'un coup de théâtre. Un court-métrage hollywoodien qui a pris fin ce vendredi avec la mort d'Arnel Joseph Alester, estime Pierre Espérance, faisant croire que ce spectacle monté de toutes pièces est la marque fabrique du régime PHTK. Pouvoir pas de besoin offrir spectacle ça, côté que il y a un monde qui mourit, il y a un monde qui blessé, il y a un monde en prison terrorisé, il continue à vivre avec un traumatisme, il n'y a pas besoin d'offrir spectacle ça. Et nous sommes capables de dire hier, ça nous est assez spectacle, et vraie mission, il fait jeudi. Oubliez que Anel qui est en prison, il t'a toujours dit la sorti. Il est sorti, il mettait le dehors. Et garé qu'il y a, et c'est ça qui arrive en chef gang, il a éliminé. Arnel Joseph représentait-il un danger pour certains hommes au pouvoir avec qui il était de mèche? Auditionné le 25 janvier dernier au cabinet du juge instructeur Ikenson Edumé, le natif de Marchand-des-Salines semble révéler des informations mettant à nu certains élus qui l'utilisaient à leur fin, selon certaines informations rapportées par le journaliste Valérie Numa. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains regrette que l'instruction n'aura pas le même poids sur la balance de la justice. Et pas oublier que la mort est arrivée 3 semaines après, on juge et fin d'année. Et il y a une information qui t'a circulé qui dit, monsieur, t'es parlé. L'instruction a continué, mais pas les mêmes valeurs, il n'y a pas les mêmes importances. Hein. Parce que, Anel, pas n'importe quel monde, c'est un gros chef gang puissant. Et il se sortit, il va jamais parler encore. Parole de Dieu, c'est parole qu'il a venu dans le rapport que la police a été fait 22 novembre 2019 avec le télémètre du bail. Pas qu'il y a pas de constat, 4 décembre 2019, c'est parole. Ces paroles qui quittent dans le cabinet d'instruction, pas bien confrontation, pas bien leur révélation, celles ça nous capables de gagner, n'a contenté nous avec ça, il dit dans le cabinet d'instruction, avec ça, les CPJ gagnent dans le rapport qui a fait, dans la relation qui a avec Gracia Delva, et tout l'autre audition qui a été fait dans le rapport des CPJ 22 novembre. Les personnes qui étaient de connivence avec Arnel Joseph seraient-elles blanchies après le décès de ce dernier? Le juge Ikenson Edumé dispose-t-il d'assez de preuves pour poursuivre les complices? Des questions qui demeurent pendantes. Il faut noter qu'après son évasion du pénitencier national en 2017, Arnel Joseph a fait la pluie et le beau temps durant ces 2 dernières années en terrorisant la population, notamment les habitants de Village de Dieu. Après avoir été blessé par balle à Savien dans le bas Artibonite, Arnel Joseph a été arrêté au CAI par la police le 22 juillet 2019. Après la diffusion d'une vidéo réalisée dans sa cellule, Arnel Joseph avait tenté vainement de s'évader dans la prison civile de la Croix des Bouquets le 23 juillet 2020. L'évasion réussie du 25 février 2021 a conduit à la mort du puissant chef de gang, alors que la nation attendait impatiemment le verdict de la justice dans le cadre de ce dossier impliquant cela même qui devrait garantir la sécurité dans le pays. Lydie Alexandre, Caraïbes FM.
Alexandre, donc nous pas trivé joindre reportage créole Lydie Alexandre sous sujet ça, mais en ce qui a trait à chiffres qui baillent, Bob, sous question évasion, donc Franz Exantus qui c'est secrétaire d'État communication t'es parlé vendredi hein, il fait connait c'est 25 moun qui mouri parmi eux gagné plusieurs prisonniers et puis directeur prison hein, donc bilan évasion ça qui fait jeudi non quoi des bouquets Franz Exantus confirmé avant incident ça prison quoi des bouquets a gagné 1542 détenus la police vient récupérer 60 évadés alors que gagné plus passé 200 l'autre qui est dans la rue Franz Exantus fait qu'on a diverses commissions qui mettaient campé pour faire lumière sur des dossiers ça et puis fixer responsabilité au en côté la micro Magerson Félicien. Avant incident AIA, il y a 1542 prisonniers dans la prison Croix des Beaucaires. Des comptes qui fait matin vendredi a fait nous constater qu'il y a 1125 prisonniers qui dans cellule. Il y a 25 monde qui mouri, là-dedans il y a 6 prisonniers avec inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable prison. Parmi prisonniers qui tombé, il y a Arnel Joseph qui était attaqué, yon patrouille la police qui était campé moto, il était sous lit. La police riposté et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques, la police confirmé, c'est Arnel Joseph qui tombé jeudi. Monsieur Dab dirigé gang village de Dieu en Val Monte Basli, dans sa vient la Tibonite. La police qui était toujours mobilisée, rivé reprendre tout 60 prisonniers qui t'a tenté sauver. Gen plus passé 200 lots, la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police rivé récupérer tout, deux fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm sans compter divers bonbons gaz qui te gaillé dans la cour prison. N'a précisé parmi moun ki mouri yo, genyen ces 7 citoyens prisonniers ont été attaqués sous route yo pendant yo t'ap sauvé. La justice a continué travail nan moment n'a parlé là pour identifier toute victime yo. Après incident ça, dans prison civile Croix de Bouquet, autorité yo formé 3 commissions. Première commission, c'est inspection générale t'ap fait enquête administrative pour fixer responsabilité interne yo. Deuxième commission, c'est commission direction centrale police judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est-ce qui méritait al devant la justice. Troisième commission, son commission direction administration pénitentiaire, qui pral gen pour enquêter sous cause mouvement ça, ak moun qui impliqué là-dedans. Tout gouvernement, ak la police qui mobilisé, mandé population, rete tête frette, continue collaborer ak force l'audio, pour y ve kwape tout bandit qui pensait au cas Simedei, nan mitan population. Arnel li mouri au lendemain de évasion, bon petit détail, qui côté que Arnel tombé et nous quoi apprendre que li pa gen aucun bien sur lui comment nous fait arriver identifier que c'est le chef de gang Arnel et Joseph et qui tombé en fait après-midi alors service technique la police yo pas oublier moi gen avec là directeur DAPA qui sont monde qui habitué avec Arnel Joseph les habitué ouais li dans prison hein. Il y a des signes qui montrent à clair que c'est bien Arnel Joseph qui tombé. Gagné enquête qu'on dit le cap mené sous sa rivière. Détail yo pour que disponible. Mais ça n'a dit objectif là c'était tenter vider prison. Mais vigilance la police permet que ça pas arrive fait, c'est bloc Arnel Joseph là qui t'a gagné et plus l'obéi là dedans. Donc la police est arrivée pour contrôler la situation rapidement. FM, Wap sur journal créole, première occasion, n'a pas retourné sous information, ça, nous, t'es bas, qui a un rapport à kidnapping, Jean-Marc, à Condestin, au lieu de mon destin, donc, qui, c'est responsable, on pompe gasoline, dans la zone Mariani. Bonjour. C'est comme ça, pour la réalité. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et nous gagnons avec lui, et y'ont frère Ali qui passait là. Probablement pour expliquer comment ça passait et lancer appel. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre Inel, Bob, tout auditeur Radio Caribbean. Mm-hmm. Non, pas non, c'est Mathieu Condestin. Nous victimes déjà pendant janvier. Il était volé un camion pour nous avec 35 tonnes de fer. C'est hier, nous avons une réunion dans la famille pour te supporter moi qui fait déficit. À tout 35 tonnes de fer qui égale à 19 000 $ américains, camion en amène ravisseur. Et pendant ma rentre la caille, mon petit frère, relément, les dîmes nous prenons l'autre pigoko toujours. Le mandé le pigoko, parce que c'est ma maman qui mourit, parce que ma maman qui a 75 ans. C'est les dîmes, moi dis, ça passe, maman pas gagné. Il dit non, il a enlevé Jean-Marc.
yo vinn prend Jean-Marc devant porte bureau là. Devant porte bureau, devant porte bureau, yon machine service de l'état. Yon Land Cruiser Zorikin plaque service de l'état. Mais qui couleur? Couleur blanche. Vite teinté. Vite teinté. Les noms a demandé bon, il dit comme ça. Yo prendre environ 4 heures. 4 heures de l'après-midi. Oui, 4 heures d'après-midi. C'est pas dehors, c'est pas dans la rue, devant bureau li. Yo enlevé li. Yo entré dans pont plan. Entré dans pont plan auparavant parce que moi gagne un sem qui m'a mis, là m'a parlé ensemble avec lui, dit comme ça que parce que nous tout a fait contact. Parce que nous sommes famille qui est très solide. Quand ça commence dans l'heure, m'a dit est-ce que au chaussée c'est 4 heures parce que mon qui parle de 7 heures, zone 7 heures. 4 par 5 heures. C'est le bloc ça. On va le mentir, ça, mon salle, même des informations. Oui, parce que les nous demandent, ils disent, nous avons une moto qui fait 100 gouttes de gaz dans le pont plan. Dans le pont plan? Oui. C'est automatiquement moto à déplacer, Zoé qui apparaît. Pompe bonjour, et troisième pompe après le fin de descendre bord de l'eau. Exactement. Troisième pompe. L'inamitant deux pompes. Ah, l'inamitant deux pompes. Oui, c'est pompe au coin de zone bien. Ok. Bob, pompe là, pas gain non. C'est restaurant, parking qui est le bonjour. Bonjour. Jean-Marc Poco mette non sous pompe là. Sous pompe là. Oui. Combien de gars comme ça? Bon, environ tout le monde a uniforme la police. Parce que les moyens, les petits garçons Jean-Marc qui se créent. Moi mandé les timouin c'est monsieur à uniforme la police qui descend qui enlever papa. Ça veut dire que c'est des nèg qui connaissent Jean-Marc très bien qui identifié lui, yo rentrent dedans même et puis oui, yo connaît yo sur certain quelque soit condition à notre victime parce que yo connaît Jean-Marc bien, c'est en dans business devant porte pendant Jean-Marc a quitté porte lui pour sortir pour venir de Yoa et puis aux autres qui apparaît parking devant Gaza, yo prend Jean-Marc. C'est comme ça, mais jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de gens qui nous ont rien. Et si c'est certain, nous connaissons, on est qui a 47 ans, c'est un jeune garçon. C'est la banque Jean-Marc Poté. Même temps, nous toutes familles, c'est business nous fait. Nous toutes gagnons près la banque. Ce n'est pas comme nous gagnons. Vous dites, Jean-Marc, tu es en victime déjà? C'est moi-même qui est victime. Oui, c'est moi-même qui ai pris les A à 35 tout fait. C'est moi-même, c'est famille qui a réuni pour nous prendre en concertation, pour ne pas perdre du crédit, pour ne pas tout bagaille. Mais c'est le moment, c'est comme ça qu'il a dit, nous, il y a le Jean-Marc. Nous n'avons jamais vu un trailer là? Non, trailer jusqu'à nos jours, depuis le 19 janvier. Ni trailer là, ni fait tes souliers. Ni trailer, ni fait. Gaillé dans la nature. Gaillé dans la nature, m'acheter trailer. Et en décembre, premier voyage trailer fait pour moi en janvier, il a enlevé lui. Dans quelle zone ça a dépassé? Station Gonaïve. Station Gonaïve? Oui. Nous avons fait sauter dans la série, fait sauter quoi faire? Faire sauter Flamengo. Flamengo? Oui. À combien d'évaluer, marchandise? Marchandise a évalué à 18 900 dollars. Allez, il manquait 100 dollars pour 19 000 dollars américains. 35 tonnes faire. Donc, on peut tout cas évaluer là, soit calculer trailer là et en tout global. Monsieur Robert Céline, moi-même, c'est la banque m'a prêté. Moi j'ai près de caisses populaires sur certains où connaît caisses populaires ma mère. Oui. Moi doué là-dedans. Allez-y pour me démontrer comment famille t'a pas supporter nous. On l'autre perd déjà. Qu'on est là, nous va connait combien millions on va demander nous pour nous et c'est si Jean-Marc c'est banque li doué. Allez-y, logiquement son l'autre cas qui vient empirer nous encore. Jusqu'à nos jours, beaucoup relais nous, parce que nous toutes en concertation, nous fait toute mitlan à concerter. Est-ce qu'il relais qui est-ce qui numéro, beaucoup j'aime entrer en contact. Téléphone Jean-Marc Solé. Nous relais sous téléphone non, yo pas décoché. Ne pas vérifier si c'est pas dans bureau à un moment et après la veille. Téléphone non, téléphone Solé. Téléphone Solé. Solé. Quelle direction Zoé qui en prend? Outray. Ok. Outray. Pas de policier dans Paradisa. Dans le SAM, je crois toujours un petit embouteillage avant de prendre bord de l'eau. Bon, c'est toujours des policiers dans Paradisa. Parce que le zone Sayo, dans l'Europe d'Imnan, bien que c'était dimanche, c'est dimanche, le Sayo toujours un embouteillage, bus cap viré, bus caillou cap viré, créé embouteillage. Pas de embouteillage, voie était vraiment libre. Voie pas tellement libre, t'es un embouteillage, mais n'est-ce que venu bien sérieux, ou bien Jean-Marc qui enlevé, y aller.
Et c'est ça qu'a fait dans zone yo, c'est pas nous-mêmes qui bloqué, c'est population parce que tout le monde qui a travaillé dans pont plan c'est monde Mariani oui. Mm-hmm. Pas gagne monde qui sorti l'autre côté. C'est Mariani yo sorti au travail dans pont plan. On voit et Jean-Marc qui ça Jean-Marc te, Jean-Marc c'est un chauffeur camionnette. Commencer à un camionnette. Nous toutes ces travail notre compte travail. Nous pas connait rien. Pas connait qui combien sécurité. Oui, pour plan gain sécurité, mais et dans moment ça yo, tu vinn a faire nous pas ca mettre zam dio parce que monsieur qu'on vinn ramasser zam. Mm. Comprend? Oui, et qu'on vinn passer ramasser zam. Pas beaucoup connait bagaille ça ou bien. On pas besoin mettre quelque chose zam gain tout bon, si 12 pour le faire. Ça bien puissant. Ça 12 pour le faire avec zam monsieur gain dans meilleur. Comprend? Monsieur gain des calibres zam. Nous pas connait yo. On va aller dire c'est une machine qui descend en Jean-Marc. Madame Nicite. Oui, nous tous ces Haïti n'a vu. Madame Nicite petite Nicite et c'est son petit qui directeur pour plan. OK. Oui. D'accord. Donc passer là pour lancer qui ça comme message bon, lancer comme message, n'a me dire ravisser yo. Yo pas besoin demander nos millions. Nous connaît n'a payer, yo pas besoin demander nos millions. Nous pas posséder millions. Jean-Marc pas gain millions. Famille pas gain millions. Non, nous pas gain millions. Yo pas besoin passer notre temps de prier au mandé yo. Notre temps de prier au mandé dans radio, moun yo qu'on a plein. Nous pas posséder millions. Yo pas besoin. Combien mandé? Yo beaucoup j'aime mandé. Alors m'a dit ravisser yo pas besoin demander nos millions. Nous pas posséder millions. Non. Comme Jean-Marc Fea, si yo met vini vérifier nan ba yo tout papier banque Jean-Marc Doyo jusqu'à nos jours Jean-Marc pa si Mariani Jean-Marc habité nan ba yo tout banque Jean-Marc Doyo Jean-Marc si chaque petit cob li gen c'est al payer la banque Ou wan cob yo pral mande nou yo pa besoin pral mande nou pile million ni cob américain déjà nous pas gen accès à cob américain. Nous pas gain accès à cob américain, yo t'ai déjà descend nou cob américain businessman nou yo t'ai déjà fait un déficit déjà. Bon qu'on y a nou vinn pas ka jwenn cob américain encore. Allez ça mandé nou yo mais dit nou ni. En good s'il vous plaît, nous pour nous négocier mais nous pas gain cob. Yo pas besoin mandé nou 15 millions. Nous pas gain million. Eh bien d'accord frère, merci un peu. Merci monsieur. Voilà. Bon, nous on a parlé avec pasteur Forge sous manifestation ça qui était faite hier dans Port-au-Prince côté plusieurs centaines de milliers de monde selon chiffres qui ont été pris à la rue hein, pour dire non à un phénomène d'insécurité à demandé de par Jovenel Moïse yo ont été un pile monde j'en ai dit dans titre qui était occupé béton pour dire non à volonté Jovenel Moïse gagné pour table dictature dans pays pas de gagner seulement fidèle protestant sous parcours dans manifestation ça mais tout oui plusieurs l'autre monde qui fait partie de l'autre religion et militants toute qualité était dans la rue plusieurs personnalités politiques yo même tout et répondent présent dans manifestation ça avec nous pasteur Forge pour un mot puisque c'était sous initiative plusieurs organisation ou l'église secteur la même que mouvement ça a été organisé. Pasteur Forge, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour PRR, bonjour Calves. Et nous comptons pour nous participer maintenant à une émission pour là. Avant de parler du match historique hier dimanche qui s'est déroulé dans la paix, côté près de 1 million de monde qui prend la rue, quand on presse, pour dénoncer vagues, kidnapping, insécurité, dictature, nous voulons couper nous bien bas devant pile cadavre victimes et kidnapping, ça y est, qui blaye dans tout pays. En particulier devant cadavre docteur Sahar, hier matin, qui tombait, un docteur qui est tout pour nous considérer comme nos papa bon cœur. Et faut que nous, et continuer dénoncer bagarre ça yo et maintenant nous parler pour nous bailler un bilan parce que commission a pour qu'on réunit parce que faut que nous réunir pour nous faire une évaluation mais tout le monde a constaté c'est pas seulement 1 million monde qui était par la rien hier parce que yo senti yo bouqué avec situation ça qui a détruit famille haïtienne
qui mettait compresse sous tête famille haïtienne, code nan rein famille haïtienne qui fait bagay kidnapping ça que jusqu'à présent pour tout monde yo kidnappé donc pour que j'entende CSP ou bien pas qu'on est responsable policier a dit mais qui est ce monde qui a délivré ou qui a kidnappé donc bagay ça a interpellé nous. Donc, il faut que nous profitions de ce moment ça pour nous saluer et membres de la nouvelle entité ça qui fait commission protestante contre l'insécurité, kidnapping, la corruption et toute velléité pour nous retourner dans une situation de kidnapping. Spécialement, moi, je voulais saluer le courage pasteur Gérald Bataille, évêque Pierre Vincent, pasteur Janvier, évêque François Villiers. Et tout les conséquences qui étaient affichées dans l'initiative, ça. Nous pas oublier tout l'autre monde, en pile l'autre leader protestant qui voulait participer dans l'initiative, ça. Mais malheureusement, nous pas être en contact avec eux et nous connaissons que nous volonté pour être dans la rue à tout. Et nous saluons la présence par ce Sidek Baptiste, par ce Bilda qui était là dans la rue. Et nous pas capable oublier. Pasteur marche pour la vie qui c'est Gédéon, notre Gédéon pour courager. Non pas capable de dire merci à Barreau du Port-au-Prince, association des handicapés, que tout le monde toute couleur, nous sommes même un gars dans la vie. Nous sommes toute couche sociale dans la vie, nous sommes une classe politique là dans la vie. Je ne veux dire à nous pour qu'on capable parler de une série de bagailles. Que Noé, monsieur au pouvoir, il voulait faire. Donc, ça gagne un bagage qui est plus important, je ne veux dire, c'est la paix qui peut gagner en Haïti. C'est résoudre le problème d'insécurité. C'est résoudre le problème de kidnapping. Donc, nous, pour qu'on capable de parler, je ne veux dire, des questions d'élection ni des référendums, parce que les conditions pour qu'on réunisse pour ça. Tandis que nous connaissons pour gagner alternance. Politique dans le pays pour gagner l'élection, même moment, il n'est pas propice pour ça. C'est pour ça nous-mêmes, nous prenons la rue pour nous voir comment nous sommes dirigés, nous sommes capables de faire tout ça dans le pouvoir pour nous mettre, regarder bien la sécurité dans le pays pour nous suspendre avec qui sauter. Je saute la caille, je suis sauté parce que moi connais les bandits à pas le barrer. Moi. Et ce n'est pas moi seulement qui compte ça. Donc, il faut problème pas résoudre. Et nous dit tout le temps, monsieur qui est au pouvoir, pas résoudre problème ça, nous fait commencer par la rue. Cette fois-ci, regardez bien, communauté qui t'a dormi, protestants qui t'a dormi, nous réveiller et nous prendre responsabilité nous à deux bras. Parce que nous, il y a à gouverner, et tandis que nous, pas qu'il y a de monde qui est capable d'un pays. Donc, nous-mêmes, protestants, nous fait courir pour réveiller. Et pour nous capables de joindre le résultat que nous cherchons. Donc, nous voulons présenter un gros coup de chapeau à la police. Nous commençons à voir qui police nous réveille. La police a accompagné les protestants et avec tout notre monde hier. Donc, nous sommes capables de dire bravo pour la police. Pas de violence dans le marché, pas de boulet caoutchouc. Parce que nous connaissons les protestants pas en affaire avec violence. Donc, nous. Matin, que tout le monde qui attendait nous, ce n'est pas une question de nous gagner avec nos grands mondes, nous gagnons des problèmes avec nos systèmes. Et nous sommes sortis dans la rue, nous ne sommes pas sortis comme partisans X ou bien Y, nous sommes sortis comme monde qui vivent nos situations et nous prenons position pour victimes. Victimes, c'est monde ça qui va faire rien. Kidnapper yo et yo pas jamais jeune monde qui pour défendre yo. Nous pas sorti pour ni opposition ni pour gouvernement, nous prend position pour bon Dieu parce que bon Dieu rede nous dans pays comme sentinelle, nous prend position nous comme sentinelle là pour nous capable défendre justice parce que rôle protestant, rôle chrétien, rôle leader chrétien yo, rôle monde moral yo,
c'est dénoncer tout ça qui doit dénoncer. Nous dénoncer le bagage qui n'a pas ça, qui fait un monde à souffrir comme ça dans le pays, qui fait diaspora pas rentrer dans le pays, qui fait un monde pas faire business dans le pays. Et tout le bagage ça, pour qu'on résoudre, qui va nous parler moins de, ni de référendum, ni d'élection. Pour référendum dans le pays, pour gagner l'élection dans le pays, il faut gagner sécurité. Comment parler pour nous dans le référendum, dans l'élection, dans tout le cas, c'est un gang. Donc ça n'est pas possible, n'est pas possible. Et nous voyons un signal clair à l'international là, qui chauffe la question d'élection, ni référendum là, si on veut pas faire, que vous mettez la peine au pays là, pour tout le monde capable à l'exprimer, va devenir volontaire à travers les unes pour chercher le monde, pour mettre du pays là, mais pour pas imposer le monde. Pasteur Foge, en pile monde dit c'est un réveil, finalement c'est un réveil. Est-ce que réveil là a prêté là après marche hier là, ou bien réveil là a continué? Parce que selon constat en pile monde, si secteur protestant engage le tout bon vrai, il prend des responsabilités, il fait formation fidèle, réveil là capable plus visible dans les jours à venir. Ça va répondre. Bon, nous dit moment arrivé, ça fait longtemps, ancienne école là, c'est nous connaît, c'est prier à Baba, relan moi Baba, et puis pour nous quand Jésus vient chercher nous. Non, Kounia là, il y a des leaders qui réveillent, et tu connais, nous encore sous terre, faut que nous organisions terre. Donc nous réveiller, et nous pas réveiller chaque grand chrétien, et chaque grand monde qui est dans le pays, pour nous dire, faut que nous travaillons. Et pour que nous rentrions dans toute activité qui a rapport avec la sociale, politique, pour nous changer le pays. Nous ne pouvons pas camper là après masquer demain. Nous avons une petite stratégie encore. Cette fois-ci, nous disons, nous ne pouvons pas quitter tout le monde à faire des ordres. Je ne parle pas de tout le monde politique qui a une mentalité. Tout le monde a fait des ordres dans le pays encore. Bon, il y a la protestant, les chrétiens, les chrétiens catholiques et tout le monde. Gardez bien toute couche sociale là, qui connaît que c'est bien pour nous mettre ensemble dans l'unité. Nous avons trois divisions dans le temps, nous, surtout dans le secteur protestant. Nous faisons appel à tout protestant. On nous mette des querelles de chapelle, nous déposons, pays à souffrir. Si nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de délivrer Haïti dans tête ensemble. Nous sommes capables de faire même ça où on a fait, pas quitter Colombo à diviser nous. Parce que de la nouvelle pétue ça, on nous divise, on nous fait la bataille toute la journée. Et c'est comme ça, n'a pas de crasse, n'a pas de sous-développement, n'a pas de la misère. Donc, Rwanda a développé aujourd'hui, parce que peuple Rwanda, il était comprendre qui ça, qu'on a fait, et puis il était déposé les armes, et puis il était ensemble. Il était une unité pour être capable de délivrer le pays. Mais aujourd'hui, Rwanda, il a un grand pays qui a carré bien qui connaît pas le développement. Donc, c'est un protestant. Nous prenons, nous voulons prendre la situation en main pour nous bailler le temps. Ce n'est pas un pays qui nous dit qu'on est protestant, c'est un pays laïque lié. Mais protestant prend bailler le temps. Protestant prend initier un mouvement tête ensemble, unitaire, pour que nous soyons capables de garder bien, mais peut-être ensemble, sans discrimination. Nous pas en question, nous pas en affaire avec catholiques, nous pas en affaire avec cougars, nous pas en affaire avec juifs, nous pas en affaire avec dates. Tout ça qui a rapport avec le développement de nos pays, c'est important pour nous faire. Là, nous pouvons prier, puisque nous avons trois différents, nous chacun prier façon pas nous. Quand il s'agit de mettre tête ensemble pour nous faire route là, pour nous bailler courant, pour nous mettre les gardes bien, pour nous mettre l'école, pour nous mettre l'hôpital, c'est notre tête ensemble pour le faire pour que tout le monde la donne. Ce n'est pas une question de chapelle politique qui dit moi pour 5 ans, par exemple, qui a la même encore. Tout en langage d'ailleurs, à parler, à toujours des confusions, des batailles dans la nation. Hein. C'est une question d'alternance politique. Donc, ce n'est pas une chapelle politique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi pour qui ai le pouvoir. Si nous sommes démocrates, tout bon vrai, faut que nous d'accord alternance politique et protestant, nous croyons en démocratie, nous croyons en alternance politique. Mm-hmm. Très bien. Après le fini, Pasteur Foge, nous connaissons un accident qui était fait sur le parcours là. Nous recensons combien blessés et dans qui état?
Bon, nous avons passé Gérald Bataille qui prend ça en main, parce que nous avons passé 20 ans, nous avons empêché, ou qu'on est nous empêché, parce que en pile menace sous de nous, nous obligés faire aussi, d'aller bien cacher tête pour le moment. Donc, passé Bataille, dans mon petit rapport, il dit au moins qu'il y a 5 personnes qui sont blessées, mais qui pas grave. Nous courons avec eux dans l'hôpital Canapé Vert. Et plus de peur que de mal. Donc, c'est seulement qui est dans ça qui te gagné, parce que si, parce que nous pas de moyens pour nous mettre ça dans la rue, à nous-mêmes, parce que pour te faire bagarre l'argent dans mes yeux. Contrairement à ça, nous t'en dis, pas pile lobbyiste gouvernement a dit, que nous prenons l'argent dans mes un tel. Et ça dit que même nous, ça ne pas mettre dans la rue, que chaque monde individuellement qui a adhéré à sa côté faire affaire, qui vient d'aller le ton, parce que nous t'es réalisé, même en pile là de te réaliser, je faillis. Parce que nous avons tourné dans le match toute la journée encore. Et Massa, nous voulons avoir un résultat. Dans ce semaine là, si nous avons un résultat, c'est une question de non-stop. Jusqu'à ce que nous finissions avec le mouvement kidnapping ça qui a détruit la société haïtienne. Donc finalement, Montaïo qui était blessé, Dieu merci, nous pas grave. Et nous pouvons continuer à faire nos responsables nous-mêmes. D'accord. Merci en pile, pasteur.